Je suis rentré à Sinciev donc le 30 novembre 1981, donc voilà, j'avais 21 ans, un petit peu plus de 21 ans. Et aujourd'hui, ben, ça fait 36 ans. Malheureusement, les ateliers où nous étions 1000, environ 1000 cheminots, ont fermé en décembre 1994, mais la venue à Périgueux ne s'est pas faite réellement pour ce cas de figure, mais ça a été pour les problèmes de santé de mon épouse. J'ai pu donc habiter ce petit lotissement dans le Bas-Chamier, me retrouver aussi avec des cheminots, donc c'était très important. J'ai intégré les ateliers aujourd'hui devenus technicentres à Périgueux, donc le 1er juin 1994. Nous étions aussi vraiment à travailler uniquement sur les voitures corail, qui maintenant les voitures corail sont amenées par une décision donc, de notre direction politique de ne plus faire de corail. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un problème au niveau des activités, de l'emploi. Il y a successivement des mobilisations au niveau de la préfecture pour justement réclamer d'autres matériels de façon à ce que nous puissions perdurer au niveau du technicentre. Voilà, donc 95 reclassés. Donc restez encore impatients, encore 10 minutes, un quart d'heure, l'intersyndicale va sortir et on aura les véritables infos et en direct live. Activité voiture. Alors Ouin est grand seigneur, il va rapatrier sur Périgueux tout ce qui est les RG Corail. Voilà, ça c'est ses propres propos. Donc vous comprenez bien qu'il nous prend vraiment pour des... Hein, on dira pas quoi parce qu'on est gentil, mais il se fout vraiment de notre poids. Parce que les RG Corail aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc il est gentil, il rapatrie les RG Corail qu'il n'y a plus. Voilà. Un emploi supprimé. Et maintenant, quelle sera vraiment la continuité de cette politique? Il va falloir vraiment qu'il y ait un rapport de force pour conserver notre technicentre à Périgueux.